Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh & Diète, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'équilibre alimentaire pendant le télétravail ou le confinement quand on a peu de temps pour se faire à manger. Objectif, éviter la prise de poids. Je suis Solène Benimeli, diététicienne nutritionniste spécialiste de l'amincissement durable et sans régime. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Sofresh & Diète pour des conseils nutrition, des conseils santé, des conseils minceurs et des idées recettes. Vous vous retrouvez en télétravail confiné à la maison derrière votre PC, des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous visio, des comptes rendus à faire, enfin bref, le boulot à la maison. D'habitude, c'est le repas qui vient à vous, soit en chef d'entreprise, soit vous mangez en extérieur. Et là, il faut que vous fassiez votre repas également le midi. Ceci impacte votre pause déjeuner, son temps est raccourci puisqu'il faut cuisiner. Et en plus de cela, cela peut également impacter votre charge mentale pour réfléchir à l'équilibre alimentaire, pour éviter de prendre du poids. Et oui, les menus en self d'entreprise vous proposent le choix, donc c'est facile de choisir un menu équilibré. Et aujourd'hui, à l'extérieur, c'est aussi très facile de trouver des menus équilibrés au restaurant. Donc nous allons voir ensemble comment pallier à tout cela pour pouvoir manger équilibré, pour pouvoir cuisiner des repas simples, rapides et équilibrés. Commençons par revoir ensemble qu'est-ce qu'un repas équilibré. Pour faire simple, un repas équilibré va contenir une protéine, animale ou végétale, un produit céréalier, un légume, cru ou cuit ou un mix des deux, un produit laitier, donc du fromage ou un yaourt, ou un laitage disons, attention, un vrai laitage, c'est-à-dire quelque chose qui va apporter du calcium. Donc je pense au yaourt nature, au yaourt aux fruits, qu'il soit de vache, de brebis, et non au dessert lacté type mousse au chocolat, liégeois, dessert crème caramel, vanille, etc. Et un fruit. Voilà les composantes principales d'un repas équilibré. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube où justement j'utilisais la main comme repère et je mettais au milieu l'huile, puisque l'huile, il en faut, donc la matière grasse, il en faut aussi dans notre alimentation et elle est au milieu de la main parce que attention, il en faut de bonne qualité et attention à la quantité. Donc résumé, viande, poisson, œufs, produits céréaliers, légumes, produits laitiers et fruits. Voilà les composantes d'un repas équilibré. Commençons par avoir toujours en stock des produits laitiers et des fruits. Sur votre liste de courses, faites vraiment le plein de laitage et de fromage, de fruits frais et de fruits sous forme de compote sans sucre ajouté et de coupelles de fruits au sirop, donc au naturel, c'est-à-dire également sans sucre ajouté, pour vous permettre d'avoir un stock au cas où vous n'avez plus de fruits frais. Alors, la première technique que je vous propose pour pouvoir manger équilibré le midi, même si vous êtes confiné en télétravail, c'est de vous organiser de façon à avoir des restes de la veille. Tout simplement de la veille au soir, pardon. Donc tout simplement le soir, vous allez cuisiner un repas qui contient viande, poisson, œufs, produits céréaliers, légumes. Et vous allez vous organiser de façon à avoir une part de plus à réchauffer le lendemain. Des exemples de repas, par exemple, un peu aussi en lien avec la saison hiver, un bœuf bourguignon avec des pommes de terre et des carottes, très facile à réchauffer le lendemain, un pavé de saumon avec du riz et des haricots verts, très facile aussi à faire chauffer le lendemain. Voilà, il y a plein de plats comme ça qui sont possibles, une omelette aux pommes de terre champignons et une salade verte, voilà, il y en a plein d'autres, d'ailleurs si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire pour les partager à d'autres personnes. La deuxième astuce pour pouvoir vous préparer des repas top minute, eh bien c'est d'avoir en stock des aliments top minute. Ça tombe bien, ce sont des aliments qui se conservent très longtemps sous forme d'épicerie par exemple ou de produits surgelés. Donc en épicerie, toujours avoir du poisson en conserve,
thon, sardine, saumon. Toujours avoir des légumes en conserve ou en bocaux, que ce soit haricots verts si on veut faire chaud, que ce soit cœur de palmier, asperges si on veut faire des salades composées par exemple. Et toujours avoir des produits céréaliers en épicerie, le maïs et les petits pois en conserve, les lentilles en conserve, les sachets de céréales que l'on fait cuire au micro-ondes. Voilà, donc tout ça pour vous permettre de faire dans la facilité des grosses salades composées avec des protéines. Vous pouvez aussi avoir de la charcuterie maigre en stock, ça se conserve assez longtemps, que ce soit du jambon blanc, de la viande de bœuf séchée, de la viande de grison, et vous faire de belles salades composées. Toujours avoir aussi des petits sachets de salade de mâche par exemple. Donc voilà, moi je fais très souvent des salades composées, en voici quelques exemples. Et cela vous permet vraiment en 5 minutes de vous faire une belle assiette équilibrée. Et ensuite, vous prenez votre laitage et votre fruit. Troisième astuce, c'est les plats surgelés qui sont des plats préparés mais dans une gamme équilibrée. Par exemple, les pavés de poisson en sauce, sauce oseille, sauce champignon. J'ai regardé la composition, c'est comme si on le faisait nous-mêmes, la quantité de matière grasse est correcte, avec des barquettes d'épinards à la crème à faire réchauffer. Je vous le rappelle, la matière grasse est indispensable dans l'équilibre alimentaire. Elle se place au milieu de la main, on y fait attention, mais ça veut dire qu'on y a le droit. Donc un plat très sympa, surgelé, les petits pavés de poisson blanc à faire réchauffer 3 minutes au micro-ondes avec la barquette d'épinards aussi, 3 minutes au micro-ondes, c'est très rapide. Il y a plein d'autres plats comme ça qui existent. Surgelés, des galets de légumes, des petits gratins de légumes, des steaks hachés tout simplement aussi à la poêle, c'est hyper rapide. Voilà donc troisième astuce, les produits surgelés équilibrés. Quatrième et dernière astuce, vous pouvez bien sûr commander des repas à emporter. Et oui, soutenons nos commerces qui peuvent rester ouverts, la vente de plats à emporter est possible. Organisez-vous. Commandez à l'avance, regardez les menus qui sont servis dans vos restaurants, les menus du jour, regardez en boulangerie ce qui est possible et vous pouvez donc vous faire livrer ou bien, quand vous allez chercher votre baguette en boulangerie, prendre un menu équilibré. Je ne sais pas si vous connaissez les menus So Fresh and Diet, ce sont des menus avec mes recettes équilibrées dans les restaurants, dans les boulangeries. Amis Laforêt, j'ai deux partenaires, la boulangerie Le Pavé de la Halle. Donc quand vous allez chercher votre baguette, vous pouvez emmener votre sandwich équilibré avec votre petit dessert équilibré. Ce sera soit une petite pâtisserie, soit une petite verrine de fromage blanc aux fruits. Et chez Marcus, restaurant pizzeria aussi, donc Amis Laforêt, une grande salade composée qui est vraiment complète, qui contient tous les aliments nécessaires pour équilibrer votre assiette et un dessert. Moelleux chocolat poire avec zéro graisse et zéro sucre. Donc voilà, si le midi vous prenez le sandwich, ça fait votre portion de féculent de la journée, donc le soir vous aurez une belle portion de protéines avec une belle portion de légumes. Et si le midi vous prenez la salade composée, elle est vraiment complète avec une portion de féculent correcte, avec beaucoup de légumes, beaucoup de fraîcheur, avec des protéines, avec les œufs. Donc le soir c'est pareil, il vous faudra un menu qui contient protéines, féculents et légumes. Et n'oubliez pas, en dessert, le laitage et le fruit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de manger équilibré sans trop vous prendre la tête, avec de la légèreté dans votre quotidien. Et surtout que vous allez réussir à maintenir votre poids, c'est-à-dire que vous allez éviter la prise de poids. Si vous souhaitez un bilan personnalisé, contactez-moi. Rendez-vous sur mon site www.solène-benimeli.com. Prenez votre rendez-vous. On peut faire des visios, vous pouvez aussi venir en cabinet à Milly-la-Forêt. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, régalez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.